Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me projette sur cette finale entre l'Egypte et le Sénégal. Sincèrement c'est une très belle affiche pour une finale, même s'il faut être honnête, ces deux équipes là c'est pas non plus celles qui proposent le plus beau jeu en Afrique. Mais ce qui donne vraiment de la saveur à cette affiche, c'est vraiment le choc entre ces deux titans que sont Mané et Salah. Après globalement ça risque d'être un match très fermé, les deux équipes elles proposent un jeu assez défensif. C'est d'ailleurs les deux meilleures défenses du tournoi qui se rencontrent dans cette finale. Que ce soit du côté du Sénégal ou de l'Egypte, il y a eu seulement deux buts encaissés chacun depuis le début de la compétition sur les 6 matchs qu'ils ont joués. C'est pour ça que je trouve que ça risque d'être un match très serré. Même s'il faut dire que l'Egypte concède beaucoup plus d'occasions que le Sénégal depuis le début de cette CAN. Après, en ce qui me concerne, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais moi je trouve que le Sénégal a largement un coup à jouer dans cette finale. Et j'ai presque envie de penser que c'est le moment ou jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, le Sénégal va affronter une équipe d'Egypte qui est clairement inférieure en termes d'effectifs. Sincèrement, l'effectif sénégalais et l'effectif égyptien, il est largement incomparable. Aujourd'hui, il n'y a absolument personne qui pourra contredire le fait que le Sénégal c'est beaucoup plus complet. Et pour le coup, même si le Sénégal se repose énormément sur Mané, c'est loin d'être autant que l'Egypte avec Salah. Et depuis le début de la compétition, on le voit très bien. Salah, il est impliqué sur le 3/4 des buts de l'Egypte. Et de l'autre côté, Mané, il est impliqué seulement, entre guillemets, sur la moitié des buts du Sénégal. Et ça montre bien que chez les Sénégalais, ok, Mané, il est hyper important, mais que le danger, il peut venir d'autre part dans cette équipe. Par contre, chez les Égyptiens, Salah, c'est vraiment le danger principal, pour pas dire le seul. Après, c'est vrai que sur coup de pied arrêté, les défenseurs centraux égyptiens peuvent être décisifs aussi, et que par moments, sur les contre-attaques, Marmouche et Trezeguet, ils peuvent faire très mal. Mais ça n'empêche pas que leur dépendance par rapport à Salah, elle est énorme. Des fois même quand il n'a pas le ballon, quand il est même pas impliqué dans l'action, il peut quand même avoir une importance en occupant l'attention des défenseurs adverses. Donc là bien sûr que j'enfonce une porte ouverte quand je vous parle de l'importance de Salah chez les Égyptiens, on est d'accord. Mais c'est pour vous dire à quel point si le Sénégal a une bonne gestion de Salah, mais ils vont neutraliser une grande partie de la puissance offensive égyptienne. Surtout qu'il faut être honnête, mais dans cette Coupe d'Afrique, les Égyptiens c'est loin d'être les plus dangereux offensivement. Ils ont mis seulement 4 buts depuis le début de la compétition, alors que le Sénégal a mis plus du double. Après, ce qui sera aussi intéressant dans ce match, pour les Sénégalais en tout cas, c'est que Salah sera justement en face du côté fort du Sénégal. Non seulement il sera en face de Mané, qui est connu pour faire beaucoup d'efforts dans le repli défensif, mais surtout il sera face à Saliou Cisse, qui fait vraiment une très bonne CAN. Il a montré qu'il était assez solide défensivement, et même offensivement il a proposé des belles choses. C'est pour ça qu'il pourra éventuellement profiter des espaces qui seront laissés par Salah dans son dos. Ensuite, pour le Sénégal, il y a un autre avantage à surtout pas négliger, c'est qu'ils vont arriver dans cette finale en étant beaucoup plus frais que les Égyptiens physiquement. Déjà parce qu'ils ont eu un jour de repos en plus que l'Égypte, et en plus de ça parce que les Égyptiens ont joué un match en plus dans cette CAN. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Comment ça l'Égypte a joué un match en plus? En fait, c'est simple. Vous prenez 30 minutes par prolongation, et en sachant que l'Egypte a été 3 fois jusqu'aux prolongations, ça fait 90 minutes. Donc le Sénégal doit vraiment en profiter en mettant de l'intensité et du rythme dans ce match, pour vraiment mettre les Égyptiens en difficulté sur le plan physique. Parce que je vous le dis déjà, mais les Égyptiens ils auront tout à gagner en essayant de casser les rythmes, en essayant de faire des fautes et de provoquer les Sénégalais. Et d'ailleurs c'est à juste titre, c'est une force parmi une autre, ils veulent la jouer à l'expérience, ils sont totalement en droit de le faire. Et pour moi il y a un autre point qui fait que le Sénégal est favori dans ce match, et qu'ils ont toutes les chances de gagner cette finale, c'est tout simplement la blessure des deux gardiens égyptiens. Que ce soit El Shenaoui qui est forfait depuis les 8e de finale, et Gabaski qui est quasiment sur une jambe depuis les quarts. Après peut-être que par moment il leur rajoute un petit peu encore une fois pour casser les rythmes, pour avantager son équipe, mais ça n'empêche pas que sa blessure elle est bien réelle, et qu'il n'est pas à 100% physiquement. Et si là aussi les Sénégalais en profitent, en le sollicitant un maximum, je pense qu'ils ont un coup à jouer vraiment. Après attention, parce que le Sénégal peut et doit gagner ce match, mais ils ont tout intérêt à pas prendre l'Egypte à la légère non plus. Pour moi les Lions d'Interanga ils doivent vraiment jouer ce match sans complexe, mais faut aussi quand même qu'ils respectent l'adversaire, et surtout qu'ils respectent le fait que l'Egypte c'est une grande nation, avec énormément d'expérience, et surtout avec un mental incroyable. Et justement pour moi c'est vraiment ça les deux forces des Égyptiens, à savoir les qualités individuelles de Salah qui est vraiment très complet, qui peut faire la différence à tout moment, et surtout de plein de manières différentes. Il peut débloquer un match avec une frappe, avec un dribble, ou avec une passe. Je rappelle quand même que Salah c'est le joueur qui a réussi le plus de passes clés dans cette Coupe d'Afrique. Et après la deuxième grosse force de cette équipe d'Egypte, comme je vous ai dit c'est le mental. C'est le genre d'équipe qui lâche absolument rien mentalement. Même si physiquement ça flanche, même s'ils sont menés au score, même s'ils font un mauvais match, à tout moment ils peuvent surprendre tout le monde en allant chercher un résultat. Et c'est aussi le cas à l'inverse. Je peux vous dire que si l'Egypte mène au score, c'est vraiment très difficile pour l'adversaire de venir inverser la tendance. C'est pour ça que le Sénégal doit absolument pas encaisser un but en premier, comme c'était le cas sur la dernière finale contre l'Algérie. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette finale. En tout cas on se retrouve le lendemain du match pour débriefer cette rencontre. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.